Ok, donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour la suite de Soma, l'épisode numéro 5. Vous écoutez ce bruit là? Je n'ai même pas envie d'y jouer en fait. J'ai envie de faire le bouton Alt et puis le bouton F4 pour arrêter d'y jouer. Enfin bref, il faut continuer hein, il faut le terminer jusqu'au bout. C'est parti. Ok, donc voilà. Simon et Catherine ont trouvé le Dunbat, mais il a été mis en quarantaine, et ils doivent trouver quelqu'un qui possède le code de sécurité pour y accéder. Seul le Dunbat leur permettra de pénétrer dans les abysses pour rechercher l'arc. En gros, il nous faut ce code-là pour ouvrir la porte, et si on l'ouvre pas, on peut pas accéder dans l'endroit où... En fait, l'arc... C'est ce qui nous permet en fait d'aller dans les mondes virtuels comme on peut être actuellement. Et en gros là on va rechercher pour pouvoir sûrement se remettre dans le siège et revenir dans le monde du début. C'est un petit peu, c'est un téléporteur si on veut quoi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Le pire c'est que je me rappelle il y avait un monstre dans le sous-sol qui était tout au sous-sol et en gros... il disait, tu sais, en fait, il y avait une sorte d'ordinateur, et en fait, tu cliquais dessus, et il disait, fallait attendre 40 secondes avant que le générateur se réactive. J'ai cliqué dessus, et je me suis barré en furie, tu vois. Donc, à mon avis, je pense qu'il va falloir que j'y retourne. Parce que quand on est monté à l'étage, il disait que, en gros, il fallait avoir une réinitialisation du système. Sauf que j'aurais dû attendre les 40 secondes pour pouvoir revenir, tu vois. Donc, je vais être obligé de retourner en bas, et réactiver, et faire face. Au monstre pomme de terre. Il y a une ressemblance aussi à Amnesia aussi. Je crois que c'est The Pig, j'ai plus. Alors, c'est parti. Ok, donc en gros on est ici, vous voyez. Sauf que le problème c'est que... Alors attends... Oh putain, le son m'a fait flipper. Ah oui, c'est vrai. On est arrivé dans cet endroit d'enfer. Nadine Masters. Ouais. C'est une sorte de prison, je pense, non? Maggie Komorebi. Ok. Brandon Wan. Catherine Chen. Javid Koya. John Stromheyer. Donc là, peut-être un truc. Marc Saron. Eh, tu vois ça, t'as envie de pleurer en fait. Dégage. Alléluia. Alors, attends. Quand même. Alors, cher ami. Quand vous lirez ceci, je serai à bord de l'arc. Comme je l'ai expliqué, pour y parvenir, il vous suffit de vous suicider après votre scan. Pour ne pas effrayer Catherine, j'incorporerai des sels de cyanure dans un chewing-gum. Je mettrai... C'est quoi ces bruits là? Je mettrai dans ma bouche avant d'aller la voir. Dès que je l'entendrai annoncer que le scan est terminé, je mordrai dans le chewing-gum, ce qui entraînera rapidement mon décès. Lorsque vous découvrirez la vérité sur ma mort, sachez qu'il ne s'agit pas d'une tragédie, mais d'une victoire. Je vous conseille tous d'en faire autant pour me rejoindre à bord de l'arc. Cordialement, Marc Sarr. Et depuis tout à l'heure, j'entends des bruits. Je crois ça, je l'avais déjà vu ça, en bas. Ouais, je l'avais déjà vu en bas. D'accord. Ah oui, c'est ça qu'il faut débrancher. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est le truc qui permet de récupérer de la vie. On essaie un technicien. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. D'accord, ça en explique plein. Ça explique plein de choses, c'est cool. Alors, j'ai vu plein de trucs. Oh merde. Alors, 7 mars 2102. Ok, déjà on est dans le futur. Theta Patos 2. Patos 2. Monsieur Saran, la compagnie est ravie d'apprendre que vous avez réussi à implanter le WO de toute la station. Compte tenu du caractère inédit de cette opportunité, nous espérons que vous mettrez tout en œuvre pour explorer et percer ce mystère. Pour ce faire, vous devez veiller à ce que le docteur John Ross soit en mesure de diriger et d'étudier le haut. Depuis Alpha, sans la moindre ingérence extérieure. En cas d'urgence, adressez-vous à Julia Dow au site Omicron. Afin que toute forme d'opposition soit écartée. Cela dit, nous préférions éviter d'en arriver là à de telles extrémités. Le WO est un projet important et coûteux. C'est pourquoi nous espérons que son développement se poursuivra sans anicroche. Ok, le conseil de surveillance. T'as un truc derrière ? La nature de l'identité. Question sur le moi. Qui êtes-vous ? Que signifie être humain ? Votre corps ou votre environnement vous limite-t-il ou vous définit-il ? Toutes ces notions sont difficiles à appréhender. Tant que vos interrogations n'ont pas été invalides par la pratique ou mystifiées par l'esprit. Dans ce livre, Pavlina Martinu, professeure de philosophie à l'université de Charles de Prague, retrace l'histoire des grands penseurs en compilant leurs réflexions sur l'identité. Ok. Bon bah c'est parti. Ok, rien là. Attends, je pense qu'on va faire ça après. On va faire ça là.
Parce que il se peut que il se peut qu'il y a un, que ça ça permette d'activer un truc. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de. Parfait. Oh merde. Oh, il y a un reflet dedans. Ah mais non, c'est le reflet qui est extérieur, enfin voilà quoi. T'en découvres des trucs. Faut bien mourir un jour. De toute façon, je suis partant. J'ai foi en Saran et dans la continuité. Ok. Oh le petit chat. Croire un vrai. Hein. L'arc. Ah c'est des images de l'arc. D'accord. Ouais ouais. Parce qu'en fait, Catherine, elle nous disait que l'arc, c'était un truc qui était beau et tout. Et là, ça nous donne des infos. Ouais, c'est la ville, en fait. Ça se trouve, en fait, quand on réfléchit bien, ça se trouve, nous, où on vivait au tout début, quand on a commencé le jeu, ça se trouve, on était dans l'arc. Depuis le début, en fait. Voilà. C'est jamais. Je l'ai vu là, no fake, je l'ai vu. J'ai vu un petit truc là. Y'a pas de moyen d'ouvrir ça, j'espère pas. Comme par hasard, je vais aller là-bas, il y aura une scène où ça va l'ouvrir. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Ok, ouais. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des codes, hein. Mais là, ça, je veux pas lire, c'est trop. Après, ouais, quoique. Attends, je regarde. Quoique. Vas-y, viens, je lis, c'est vrai. Imogen Reed a testé une machine aujourd'hui. Celle-ci est, a manifestement été corrompue par le haut. Mais son assemblage semble primitif. Comme si quelqu'un l'avait spécialement conçu pour permettre au haut d'en prendre le contrôle. Une fois activée, la machine a présenté une simulation de la pièce de et de Reed. Reed a alors été scanné et sa simulation chargée dans l'espace numérique. La présentation, très choquante pour Reed, a rapidement été écourtée. Le plus inquiétant, c'est que ça me rappelle ma capsule ERA. C'est la capsule de début. La dissection de la machine Vivarium activé par Reed a révélé que le WoW a copié mon projet de capsule pour construire la scène contenant la simulation de Reed. Sa conception est presque identique, à une exception près. Ma capsule contient des personnes inanimées conçues à partir de neurographes des modèles alors que les scans cérébraux de Vivarium sont animés. Le contenu n'est pas limité au scan cérébral dont a émergé Reed. La ride du Vivarium a été copiée parfaitement. Ça y est, je vais pouvoir sauver l'humanité. Je suis en mesure de créer une capsule de réalité artificielle.
contenant tous les membres vivants de Pathos 2. J'ignore comment ça a fonctionné avec le vivarium, mais je peux répliquer la technique du scan du haut à l'aide des sièges de pilotage. Ils sont déjà dotés de types de tambours électromagnétiques requis. Ça a été encore plus facile que je ne pensais. Les sièges de pilotage sont déjà configurés pour la diffraction et la haute énergie nécessaire à la capture de scan. Je soupçonne le WoW d'avoir utilisé le siège pour voler nos scans, d'où la présence de ces oiseaux moqueurs. Le WoW a dû voler les scans à l'aide du siège de pilotage et les utiliser comme base d'intelligence des machines. Nous avons officiellement lancé le projet ARC et la réaction de l'équipe a été étonnamment positive. Nous devons scanner le plus de gens possible et charger le scan dans la capsule. Nous la lancerons ensuite dans l'espace à l'aide du canon spatial. Cette idée de continuité me plaît beaucoup. Marc Saran s'est suicidé après son scan. Il a encouragé tout le monde d'en faire autant pour accéder à l'arc. Je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Je suis à l'origine de nombreuses disputes entre les membres du personnel. Je me sens un peu coupable. Strohmeyer est en colère contre moi. J'espère qu'il va se calmer. Alors, note. Richard m'a donné des modèles d'IA que je n'avais jamais encore vus. J'en ai déployé un afin de créer un nouvel ami pour la capsule Catherine. La nouvelle méthode de simulation de turbulence améliore considérablement le système météo. J'ai implanté Reed, mais ça s'est mal passé. Nouvel essai avec Reed. Reed ne s'ingère pas bien. Elle est trop réelle. D'accord. Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Ah, donc là on est dans la salle de d'elle en fait. Attends, je check. Ouais, Catherine Chen, c'est ça. C'est ça. Putain. You don't have to search my room. We'll get by. Oui, mais ouais, mais il faut fouiller. DG. Ok, donc c'est parti. Donc c'est ce qu'on doit faire, on doit retourner en bas et réactiver le courant. Parce que le seul problème c'est que le courant n'est pas actif en fait. Donc ça dégoûte. C'était où qu'on est allé? C'était là, je crois. Ah non, c'est pas là en fait. Regardez, là on peut pas. Parce que, en fait, le gros. C'est qu'en fait, tu vois, erreur connexion. Et en fait, on peut pas vu que le scan n'a pas été actif. Tu vois. Code d'erreur, connexion à l'unité centrale, impossible à l'hérédité des routeurs au niveau inférieur et contacter la maintenance. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est retourner en bas. Et ensuite réactiver le truc. Voilà, réactiver le truc. Donc ça dégoûte. Et en plus, il y a un monstre, donc il va falloir faire gaffe.
Surtout que le monstre, il doit camper l'escalier, je suppose. Donc on va voir, hein. J'espère pas qu'il campe. Normalement, il doit revenir à son truc. Ok, donc c'est où? C'est là. Hein. Quoique... Non, c'est que là. Ah, c'est ça. En fait, on doit aller à la porte en bas, là, on voit. Sauf que j'espère pas que le monstre campe à la porte. Ce serait un petit peu dommage, quoi. Putain, pourtant, j'ai cliqué sur le truc. Putain, je comprends pas, j'ai cliqué sur l'ordinateur et il me disait, attendez 40 secondes. Sauf que moi, je me suis barré, donc j'aurais dû attendre. Là, non. C'est là. Ouais. C'est parti pour l'enfer. Je sais pas si je suis bien là, mais... Là, là, il est juste là, là. On le voit juste en face, là. Normalement ici il peut pas me voir. Donc soit il passe devant. Ouais, il va passer. Donc là, cet ordi là. Délire réussi à dépasser. N'oubliez pas de réactionner une fois le... Ah, d'accord. Actionnez l'accusateur pour confirmer la réalisation.
Là, c'est bon pour moi. En ligne, c'est bon, c'est ok. Pour moi, c'est ok. Là, j'ai fermé la porte, il va cavaler vers moi. Regarde. Regarde. Ça dégoûte. Job, Simon. This better have worked. I'm not going down there again. Oh merde, j'avais juste à faire ça en fait. C'est juste que moi j'ai laissé le compteur activé, il restait 40 secondes et du coup ça m'a douillé en fait. J'avais juste en fait à faire quoi? À réactiver le truc. Et je l'ai pas fait. C'est en fait, t'as un compteur, tu vois un voyant orange et dès que tu vois qu'il est vert, paf, tu dois cliquer. Sauf que moi il y avait le monde, je pouvais pas. Et genre je flippais à chaque fois. C'est ici du coup. Mais du coup, vous savez quoi? Du coup, dans la salle des prisons là. Enfin, pas dans la salle, plutôt des dortoirs. La porte qui était fermée au fond, il y avait un ennemi. Et bah, ce sera ici qu'il va falloir continuer. Mais il y a un ennemi, donc ça va être chiant. Mais bon, on fait avec. Alors. Alors, scan. Ouais. Alors, Catherine Chung. Ok. Réservoir flottant. Transférer réseau. Avec siège de pilotage. Expérience. D'accord. Checker quand même. Ah, donc ça c'est ce qu'on avait fait déjà. Ça c'est ce qu'on avait fait. Là je sais pas pourquoi ça s'est renfermé en fait. We should really look for a scan. Check the storage. Il faut un scan. Insérer une puce. Insérer une puce. Mais la puce, on la sert où? Ici, là. Ok. Programme. Ok, donc il va falloir retourner dans la... cette salle là, 100%. On est obligé de faire un truc extraordinaire, c'est obligé. Alors, scan.
Il en fait transférer. Hein? Transfert refusé. Fichier restreint. Aucun périphérique, etc. Ah, ça se trouve, faut activer. Attends. Ouais, mais attends, comment on fait là? Y'a pas une puce sur ça là? J'ai plus de l'ennemi tool là, ça veut rien dire. T'as dit salle des stockages, c'est là du coup. Ils sont tous mortes. Ah, là il y en a une qui est encore en vie. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ok. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Ouais, on pourrait l'envoyer à qui en fait? À ça? Parce que je me dis, c'est lui qu'on voit le plus dans les documents, donc pourquoi pas. No, it won't work. We need someone from Theta Security Group. Groupe de sécurité Theta. Attends, le premier il est quoi? Attends. Tata. On va mettre ça. De toute façon, ça va marcher au fur et à mesure, hein, je pense. Very promising. Ah bah tiens, I'll très prometteur. Just get the simulator going. Ok. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Exécuter. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Dégoûté. Took it all away again. Je suis dégoûté. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. On va tester. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? What happened? Non, j'annule. Simon, you just reset the simulation. Ouais, mais y a pas un autre truc? On va pas refaire. De toute façon, ça va faire toujours la même chose, je suppose. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up. Please stop resetting the simulation. This is important. Mais oui, mais y a aucun module, y a rien. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Faut trouver autre chose.
Attends, ah peut-être dans le... C'est quoi? Attends, c'était qui le mec, déjà? Brandon Wong. Ok, donc on va regarder les sujets. Merci. C'est là, je crois. Ok, donc il y a strictement que dalle. Après, peut-être qu'il faut trifouiller dans les trucs comme ça, là, les données, là. Ah, il y a non. Je pensais pas qu'il fallait faire ça. Hein ? Environnement. Oui, mais ça refait la même en fait. Comment faire ? Comment faire ? Je vous jure, je comprends. Il redit les mêmes choses, le stress il est toujours pas. Don't be afraid. Chun ? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scan. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wong. No. Well, ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Simon, we need regarde, ils disent environnement module. Donc 100%, il va falloir un module pour pouvoir. C'est parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'il dit je ne vois plus rien, nanana. Tu vois. Alors si par exemple. Alors faut que je trouve un ordi qui me permet de mettre un truc là-dessus, je pense. Brandon, tu vois, il est là. Attends, c'est pas programme. Non. Plage. Ah, tu vois. Environnement. Je pense qu'il y a un truc à faire avec. Je crois savoir. Attends. Il faut pas prendre le petit appareil là. Et genre faire une sorte de mise à jour dessus là. Avec le truc là peut-être. Là. Voilà, tu sais, vu qu'on a rien à copier, tu vois. Aucun périphérique détecté. Donc 100% il y a un truc à faire. Tu vois. Mais où on pourrait le mettre, tu vois. C'est ici qu'il faut le mettre, genre. C'est ça, je comprends pas. Tu vois, là il y a les dossiers en fait pour. Attends, quoi? Pourquoi ça?
Mais non, il est en ligne, on l'a bien vu en bas. Et je te jure, je suis perdu. Attends, on va checker là. Non, bah c'est automatiquement là. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Attends, ils disent, regarde ce qu'ils disent là. Emplacement de puce. Ça veut dire qu'il y a un autre port en fait. Tu vois, c'est ça. Il y a un deuxième port en fait. C'est 100% sûr. Je sais ce que c'est, ça va. Je sais même pas ce que j'ai chopé d'ailleurs. Ah ah! Emplacement 1 donc. D'accord. Ce fichier existe déjà sur la puce. Transfert de données corrompues. Ah! Ah, il voulait ça. Ok. On va retester maintenant, parce que vu qu'on a fait la mise à jour dessus. Je crois, je sais même pas si c'est le même, mais... Ah d'accord. J'ai compris. Hop. Insérer la puce donc maintenant. Hein? Projecteur de scan actif. Insérer une puce contenant. Ok. Faut mettre les deux quoi. Ok, donc là on a ça, donc on va lui mettre quoi, je sais pas moi. La plage tiens. Allez, on va tester la plage. That wasn't so bad. This room I really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Mr. Wan, I need your help. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Just be calm. Take a deep breath and enjoy the scenery for a moment. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's still empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here. Putain, il aime pas la plage, mais il est sérieux. On va mettre sa salle de scan sinon. The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So, let's keep the session short and the suffering to a minimum. Okay. Salle de scan normalement, c'est okay. That wasn't so bad. I really got me worked up, bastard. What? Where did... Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Wan? Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please, this is important. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me!
putain, mais c'est un connard, lui. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right, we need to think this through. We need some more data. Le chalet de ski. On testait, hein. So bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wong. Just relax. Dr. Chun? What the hell is this place? I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place, it's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in! C'est pas possible! How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon, don't give up now! Putain, faut que je le remette là-bas, y a quoi d'autre? On pourrait mettre dedans, là, parce que... Il est quasiment bon, celui-là. Un truc familier, apparemment. Environnement, plage, ça s'en a fait. Réservoir flottant. Mais c'est sérieux, il y a des trucs à chercher? Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un ordi quelque part. Non, parce que c'est bien beau tout ça. Ah, attends. Ok, donc là, oui. Putain, mais cette chaise, elle me saoule. Aïe, aïe, aïe. Comment je pourrais faire, là? Parce que là, en fait, y a rien. Toi, t'as que ça. Où est ça? Chalet de ski. Ah, c'est casse-bonbon. Comment je pourrais faire, en vrai? Juste ça, voir ce que ça donne. Ouais, mais là non. Il faut un module apparemment, je pense. Parce que regarde, t'as rien là en dessous. Tu vois, t'as chalet ça, 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 mais t'as pas d'autres trucs. Ah, attends, c'est quoi ça?
Je pense que c'est sur les bureaux qu'il faut que je cherche. Pas de tiroir. Suppression. Je vais tout effacer, je pense. Parce que de toute façon, t'as pas les informations à propos de lui. Donc... He's dead, Cal. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, I'm sorry. Not from you. Thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Je sais pas si ça fait un truc là. Je ne sais pas du tout. Environnement. Mais il n'y a pas de. Il y a juste un truc qui me fait peur là. C'est que je dois retourner en fait en bas. Ah, attends. Je crois qu'il va falloir. Attends, vu que j'ai réactivé la truc. J'espère pas que la porte est ouverte là-bas. Je sais pas. I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Ok, donc on doit trouver. On doit trouver la pièce de Brandon là-bas. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Merci. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Donc c'est ça, Alice. Cute. On fait ça. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and I'll borrow to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Ah, c'est tout. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. On sait jamais. Hein. Ok, donc sur le PC. Alors, ok, 14 août. Akers a enfin accepté l'évacuation de Theta. Koya, Krier et moi sommes arrivés à Theta aujourd'hui. Akers a préféré rester à Delta. Il est complètement fou. Je suis fier de mon travail, mais le site n'est plus que l'ombre. Que de lui-même, depuis que la surface a cessé de nous ravitailler. J'ai fait mon scan arc avec Alice. Like Alice and Brandon did their scans together. Oh, we can definitely use that. I think we got this, Simon.
I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Okay. Avec Alix, Strom Meyer m'avait dit que le mot de tête me tuerait. Quel enfoiré. Au début, ça allait. Mais une épouvantable migraine est apparue quelques heures plus tard. Le pire, ça a été cette fille, Chun. Elle me met tellement mal à l'aise qu'elle me donne la chair de poule. D'accord, donc c'est pour ça qu'elle veut changer sa voix. Elle veut la mettre à la voix de d'Alice. Ça au moins, ça va peut-être le soulager. Strohmeyer a perdu les pédales. Il a ordonné l'arrêt de tous les scans destinés au projet Arc. Apparemment, Conrad s'est laissé séduire par l'idée de continuité et s'est suicidé sur le siège de pilotage, juste après le scan. J'ai comme l'impression que les codes de sécurité vont changer. Je viens d'apprendre que l'équipe d'inspection Komorebi va aller chercher Hackers à Delta. Ça fait des mois qu'il est tout seul là-bas, je me demande ce qu'il faisait de ses journées. Ok. On peut y aller. Ça, j'avais pas vu ça par contre. Ok, on est bien. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon. Attends, faut que j'aille. Sure. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Ouais. Alors, est-ce qu'elle peut changer? Ou elle change automatiquement? Je sais pas. Ah non, donc elle va changer sa voix directement là-bas. Ah d'accord, il y avait même pas besoin de prendre ça en fait. Juste, ça change le module et elle met la voix d'Alice. So bad? Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new site for ASAP. What should I tell him? It's alright. I could talk to him. Wait! Didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Brandon. Goodbye. No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Et elle sert plus à rien. D'accord. D'accord. Mais y a pas. Parce que le code, perso, je les retiens presque pas. En plus, j'ai rien compris. J'ai compris juste le code du début, mais bref. Ok, du coup, on doit. Ah, c'est pour la porte, évidemment. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Hein? Dunbat. Ah mais je suis con, il était là en fait. Du coup ça je pouvais rien faire. Avec.
On se casse? Just have extracted the cipher from Brandon's data somehow. So cruel bringing him back like we did. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. C'est là, là? Ça devait être là, je sais pas. Déjà, quand tu regardes là, il y a écrit laboratory, tu fais. I feel terrible about the Brandon thing. Even worse than the robot at Delta. It's for a good cause. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Mais attends, comment on rejoint ça? Je pense qu'il va falloir ouvrir un truc, attends. C'est là. Site. Carte. Ok. Ouais, donc c'est pas. C'est cette porte là. Là, il y a une porte ici là. Alors pour l'activer la porte, à mon avis, je pense qu'elle va se mettre toute seule. Ah, c'est ça qu'il faut ouvrir. Ah ouais, d'accord. Rien activé. Tu m'étonnes. C'était moqué. Les robots, ils sont des débiles. Parfois, il y a des bugs. Je sens pas ça. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Là-haut.
je le sens pas. Parce que là, en fait, ça a bugué, du coup, on doit repartir de l'autre côté. D'accord. D'accord, ça va bugger. Frame. Il y a eu un chargement, on l'a vu en dessous. Hein. Fous les boules. Hein. Mais l'autre chemin il passait où en fait? Talking, that's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Exactly. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Et c'est ça qui me parle. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Ok, donc là ça recherche tout. Mémoire. Ah, environ 45%, donc ouais. Oui, on va reconfigurer. Oh. Ah d'accord, ok, je vois. Alors.
Ah, c'est chaud, c'est chaud. Alors, attends. Putain. Putain, il manque pas beaucoup, hein. Ah, il faut ça absolument. Putain. Putain. C'est chaud parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir tout en fait, tout en baissant un peu les choses. Il n'y a pas un disque dur qu'on peut mettre en plus ou... Parce que là, en fait, il y a juste un truc. Réduisez l'encombrement mémoire. Ah, mais il va me manquer ça, quoi. Il va me manquer ça. Start an arc simulation. I want to see how it works. Ah! What's this? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Well, I'll give it a try. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Ah. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well.
A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds, a sound mind and a sound body. At least we know how to get on the arm. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Get an arc simulation going. Ah oui, encore ça aussi. Oh là là, la pire idée. Extérieur midi. Mais il est là. Comme par hasard, les plus gros. Après, on va dire que ça, c'est les objets. Donc, Et on peut pas, genre, switcher les scènes, là ? Ça, ça dégoûte. En plus, on est pile dessus. Enfin bref, vous savez quoi? Je regarde quand même. Je pense qu'à mon avis, il y a un disque dur à aller chercher. Ou peut-être on doit trier ça, ouais. Ok, donc vous savez quoi? Hop, petite sauvegarde déjà. On va s'arrêter là. On verra ça donc pour le 6ème épisode de Soma. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez tous.